Buongiorno, sono Marco Filoni, ho fatto un dottorato in storia della filosofia dedicato ad Alexandre Kojève. E dapprima mi sono dedicato a Eric Weil, al quale ho dedicato un libro sulla filosofia politica, e a partire dal dottorato mi sono interessato a Alexandre Kojève. Autore del quale ho curato molte delle edizioni italiane presenti in Italia e al quale ho dedicato una biografia intellettuale dal titolo Il filosofo della domenica, la vita e l'opera di Alexandre Kojève. Ho dedicato i miei 8 anni, gli ultimi 8 anni della mia vita a Kojève e ne sono molto contento perché è un filosofo molto importante e un personaggio decisamente divertente sotto molti punti di vista. Kojève, à partir d'Hegel, il a fait une nouvelle philosophie hegelienne qui tenait compte de toutes les grandes thématiques philosophiques du XXe siècle. La finitude, la mort, la lutte pour la connaissance, la dialectique entre esclavage et le maître. Et tout ça a permis à Kojève d'entrer avec nonchalance dans les mythes de la philosophie française. Les personnes qui ont participé au séminaire kojévien et ont été témoins, on peut dire que Kojève a été quelqu'un qui a permis à une génération de philosophes de se confronter avec des thématiques très importantes à partir desquelles on ne peut pas parler des philosophies de tous les courants des philosophies françaises du XXe siècle. Toute la philosophie de l'après-guerre française part d'Hegel ou par comme une référence fondamentale, et je pense au marxisme, et je pense au structuralisme, ou par échapper à Hegel. Mais il faut dire que toujours l'Hegel de Kojève, toujours l'Hegel qui chaque lundi dans l'après-midi, dans une petite salle de l'école pratique des hautes études, il a expliqué à toute la génération et toute la bande des intellectuels très inclines à la critique qui ont été ses élèves. La formation de Kojève se partage entre un côté idéaliste, systématique, hegélien, et un côté spiritualiste dans le sens russe, c'est-à-dire oriental, c'est-à-dire quelque chose qui a à faire avec les religions orientales. Et on sait qu'il n'y a pas de philosophie orientale, mais il y a des Weltanschauung, des visions du monde, où on se mélange religion, philosophie et sagesse. Alexandre Kojève, il est surtout connu par son idée de la fin de l'histoire. Et il est connu pour cette idée parce qu'elle a été reprise plusieurs fois, notamment par Francis Fukuyama et des autres, et surtout aux États-Unis. Il a franchi l'Atlantique et il est revenu en Europe sans honneur ni gloire. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est bien évident que Kojève a parlé de la fin de l'histoire. Il a parlé de ça dans la fameuse note à la deuxième édition de l'introduction à la lecture d'Hegel. Et c'est une note où Kojève il parle bien de Japanese way of life, American way of life, de la fin de l'histoire comme la fin de l'économie. Du marché capitalisme, il parlait des maoïsmes, des stalinismes, de la fin de la politique. Mais il faut dire en avance qui, comme toujours, Kojève a été beaucoup provocateur dans cette idée de la fin de l'histoire. Et on ne peut pas dire, comme on a fait plusieurs fois Fukuyama, évidemment, mais pas seulement lui, qui la fin de l'histoire, c'était
la fin de l'économie, c'est-à-dire le libéralisme, il a gagné, il n'y a rien à faire, l'histoire s'est terminée. Non, Kojève ne disait pas ça. Je crois que Kojève, il entendait dans cette idée de la fin de l'histoire l'idée de la fin de la théologie. Il faut dire que Kojève, il a eu toujours une façon d'entendre la philosophie comme quelque chose de très vivant. Et il était en train de vivre avec sagesse sa vie. Ça signifie quoi pour Kojève? Ça signifie que trouver dans chaque correspondant, et qu'elle soit Kerschmidt ou Taubes, ou bien évident tous les individus qui ont été ses élèves au séminaire hegelien aux autres études, notamment Georges Bataille, Raymond Queneau, Jacques Lacan, avec lesquels Kojève est très important, sur sa formation et sur sa pensée. Il faut se pas oublier aussi des pères jésuites, je pense au père Gaston Fessard, mais aussi Bruyard, Edmond Ortigues, avec lesquels Kojève, il avait rendez-vous chaque mois pour dîner ensemble, pour discuter de Dieu, de Hegel, de la sagesse et de la philosophie. L'actualité de Kojève, de la pensée de Kojève, c'est que l'état universel et homogène, c'est la reconnaissance universelle de l'homme par l'homme. Et aussi la fin de l'histoire, alors ce n'est que la fin de la vie immorale. L'homme sera libre dans la possibilité de donner l'essence au monde. Et Kojève nous dit qu'aujourd'hui, dans notre époque, on ne peut pas parler encore de morale de Dieu. Il faut que l'homme se prenne charge de sa propre responsabilité. Il faut que l'homme prenne la charge de la reconnaissance de soi-même. Il faut que l'homme, il va à penser une morale pour ses propres mondes. Ça signifie, par Kojève, que la fin de l'histoire, c'est la fin de Dieu. Il faut que l'homme qui vient après le Dieu, on peut dire que l'homme de Kojève, c'est un Dieu qui est descendu sur terre. Il faut que cet homme-là, il prenne la responsabilité de sa morale, de penser une morale. Et c'est ça que Kojève entendait pour la fin de l'histoire.